Salut à tous, donc là on va parler du Microsoft Reward. En gros c'est quoi? C'est pour gagner grâce à vos succès, à des objectifs que vous faites sur la Xbox. Par exemple tout à l'heure il n'y avait pas gagné des points, c'était regarder la préco, juste cliquer sur la préco de Battlefield 2042 et cliquer sur Battlefield 5, Battlefield 4 et Battlefield 1. C'était hyper simple et vous gagnez un certain nombre de points. Grâce à ces points, vous pourrez gagner de l'argent en carte cadeau. Voir d'autres choses, hein, même des abonnements Game Pass, il y a plein de trucs, je vais vous faire voir ça. Bon, en gros, grâce à tous vos succès, les jeux que vous avez achetés et tout, vous allez pouvoir un peu les rentabiliser et acheter des choses sur le Xbox, sur la console Xbox, directement sur le store, en carte cadeau. Ça, c'est super cool. Donc, en gros, je vous montre tout à l'heure, par exemple, j'ai fait 30 euros comme ça. Donc, vous allez dans tout Microsoft, Microsoft Rewards. Donc, ça, c'est le menu PC, hein. Il est beaucoup plus compliqué, entre guillemets, que la version. Xbox. Sinon sur Xbox c'est très simple, vous allez sur application, vous tapez Microsoft Rewards, comme ça, vous aurez un logo avec une médaille, et vous avez un menu très simple, gagner des points et utiliser vos points, un peu comme là. Donc là, gagner des points, bon ça je vais pas vous le montrer. Faites-le sur la Xbox, honnêtement c'est largement plus facile, mais ça marche aussi sur PC, là je suis sur le PC. Donc là, bon là j'ai plus beaucoup de points, il me reste que 264 points, mais par exemple, vous atteignez 12 000 points. Vous pouvez avoir le Xbox Game Pass Ultimate pendant, là je crois que c'est un mois sur celui-là. Je vais cliquer pour voir. Voilà, un mois. Si vous avez plus de points, bah 3 mois, ainsi de suite. Donc ça c'est grâce aux points. Les points tout à l'heure j'en avais 25 000. Et la dernière fois j'en avais 47 000 je crois. Donc honnêtement ça monte super vite. Parce que vous achetez des jeux sur le store, ça vous fait gagner des points. Vous faites les objectifs qu'ils demandent, ça vous fait gagner des points. Vous allez remplir, vous allez faire des succès, ça vous fait gagner des points. Vous allez faire des recherches dans Bing, ça vous fait gagner des points. Bon, ça fait gagner 3 points, ça sert à rien, mais sinon le reste, c'est plus intéressant. Pourquoi? Donc là, vous avez même des tirages au sort pour gagner une Xbox Series X. Bon, ça, je vous le déconseille. Moi, je l'ai fait, honnêtement, j'en ai mis des trucs pour gagner la manette Elite Series 2 et tout. J'ai rien eu du tout. Il faut vraiment avoir de la chance, mais vraiment beaucoup, beaucoup de chance, y a l'air. Hein. Donc vous avez l'abonnement Spotify, vous avez plein de trucs, mais le plus intéressant, c'est la carte cadeau. Pour moi, c'était ça le plus intéressant. Je vous montre. Cadeau. Voilà. Et là, vous transformez vos points. Hop. En carte cadeau. Donc, plus vous avez de points, plus vous pouvez les avoir. Donc, là, moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'avais. Je sais plus, je devais avoir 27 ou 28 000 points. Bref, c'est qui j'avais 30 euros, quoi. Donc, 30 euros en carte cadeau. Vous les recevez. Donc, vous allez vous cliquer dessus. Vous allez les recevoir. Et le gros avantage de ça, c'est que vous les recevez directement sur votre console. Donc si y a un jeu qui vous intéresse, regardez et peut-être que vous allez pouvoir vous prendre un jeu gratos, juste avec vos succès et vos achats, etc. Et puis si vous manquez quelques points, ouais, vous n'hésitez pas, vous regardez comment gagner des points. Même faites-le régulièrement, honnêtement, ça prend 5 minutes. Quand vous êtes dans le menu, vous faites rien, vous faites ça, vous cliquez sur ce qu'il demande, et puis hop, vous avez vos points et puis vous avez de l'argent, quoi. Donc honnêtement, c'est vraiment super intéressant. Donc là, c'est la version PC, comme je l'ai dit. Sinon, vous avez la version Xbox, c'est largement plus simple. Vous allez dans la barre de recherche Xbox, vous tapez Microsoft Rewards, vous allez avoir la petite médaille, vous cliquez dessus, gagnez des points, utilisez vos points, vous utilisez, vous choisissez et vous achetez ce que vous voulez après. Voilà. Salut tout le monde!